Institut national de formation judiciaire de Yamoussoukro. 20 magistrats et 44 auditeurs retrouvent un environnement studieux. Ils y sont pour découvrir toutes les facettes de la loi relative aux propriétés intellectuelles pour une meilleure gestion des litiges dans le domaine. Ce séminaire, qui est dénommé Programme de renforcement des capacités des magistrats de l'espace OAPI, à l'attention des magistrats en fonction et des auditeurs de justice, va contribuer au renforcement des capacités de ceux-ci en matière de gestion des litiges liés au droit de la propriété intellectuelle. Les créations intellectuelles représentent des investissements humains et financiers inestimables et sont regardées à juste titre comme de substantielles valeurs économiques au regard de la vie des affaires. Cette formation permettra également à ces hommes et ces femmes de droit de rendre l'espace crédible et attrayant pour les investisseurs étrangers tout en garantissant la transparence des transactions. La propriété intellectuelle, c'est aussi quelque chose de très très important d'un point de vue économique, puisque c'est un moyen de favoriser, de protéger tous les inventeurs et tous les créateurs, et donc de pouvoir leur permettre d'exploiter leurs œuvres ou leurs créations. La protection de ces droits permet de porter l'économie des pays, puisqu'on sait très bien que protéger les œuvres littéraires, protéger les inventions, protéger les œuvres artistiques, permet effectivement de porter le développement d'un pays. Ce renforcement de capacité est à mettre à l'actif de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, qui bénéficie de la coopération de l'École nationale de la magistrature de France, de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires OADA et bien d'autres structures assimilées. La formation va durer 5 jours.